Bien. Donc, deuxième question, on suppose qu'il existe alpha appartenant à k moins 0, c'est-à-dire il existe un alpha non nil, ok, dans k bien sûr, tel que f rang g moins g rang f égale à alpha f, tout simplement, ok. Donc, f rang g moins g rang f égale à quoi? Alpha f. Première, bien sûr, question, petite a dans deuxième question, ok. Montrer que, quel que soit n dans n étoile, dans quoi? N étoile, je m'aime bien, n étoile. F puissance n rang g moins g, non, rang f puissance n égale à n fois alpha fois f puissance n, tout simplement. Ok, donc montre ça, bien sûr. Bien sûr, parce que tu vas comprendre le cas, sinon la vidéo. Récurrence, tout simplement. N appartenant à bien sûr n étoile, donc on utilise le raisonnement de récurrence, ok? Bien. Ce n'est pas le problème, oui. Parce qu'on connaît sur f puissance n, c'est-à-dire quoi f puissance n? C'est-à-dire f rang f n fois. Parce que bien sûr, on a fait les chapitres, les régions modales. Les polynômes minimal et jordanisation. Ok? Bien. Bien. Donc, deuxième question. A. Montre que, quel que soit n appartenant à n étoile, quoi? F puissance n rang g moins g rang f puissance n égale n alpha fois f puissance n. Bien. Donc, par récurrence, sur n appartenant à n étoile. N étoile. Pour n égale à 1, le résultat est vrai, bien sûr, parce que bien sûr, f rang g moins g rang f, bien sûr, la puissance 1 puissance 1, il y a f égale à alpha f. Elle remarque f puissance 0 égale à l'identité de e. Ça freine, bien, allez, après la deuxième. F puissance 1 rayé f, ok? Bien. Donc, ça, bien sûr, vous voyez l'hypothèse d'une question de 2. Yannick, ça, vrai. Est vrai. On suppose l'hypothèse de récurrence. On suppose que le résultat vrai à l'ordre n moins 1, c'est-à-dire f puissance n moins 1 rangé moins g rang f puissance n moins 1 égale à n moins 1 fois alpha fois f puissance n moins 1, tout simplement. Ça va être là. Ou les produits de récurrence. Il y a des signes qui sont là, il y a des vrais, ça vrai. Et vrai. Et montrons que f puissance n rang g moins g rang f puissance n égale à n fois alpha fois f puissance n. C'est-à-dire que c'est le bien. Donc, on dit par exemple, f puissance n rang g. Donc, il y a bien sûr f puissance n moins 1 rang f rang g. Oui, bon, tu as fait le produit. Rien n'est là. Le produit qui est commutatif, mais il y a le rang qui est commutatif. Tout simplement. Il y a un n. Donc, il y a un. Ok. Donc, on a bien sûr le rang est associatif, mais pas commutatif, il y a les parenthèses. Et ça, bien sûr, par l'hypothèse de la question 2, égale à ça. Ok? Yani f rang g égale à alpha f plus g rang f. Yani rang alpha f plus g rang f. Oui ou non? Bien. Et si on développe chi, nous serons, yani f puissance n moins 1 rang alpha fois f, alpha ou un scalaire donc qui rejette là, ou f puissance n moins 1 rang f, tout simplement là, il y a f puissance n. Ok, ça on a donc 10 f n moins 1 rang g rang f. Et là, on va dire que n moins 1 parce qu'on a un g hapsé là. Et on va dire que c'est un g, mais on va dire que c'est un n. Non, 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 non. On va dire que g puissance n moins 1 rang g rang f. Et là, c'est un scalaire.
qui scalaire donc tout simplement non nul. Ok, bien. Donc alpha, bien sûr, f puissance n plus ça f puissance n moins 0 g. Où est ça? Où est ça? Yani égal à ça plus ça. Ou non? Yani g égal à ça. Ça plus ça. Yani d'un petit peu l'autre. Donc, yani n moins 1 fois alpha fois n puissance n moins 1 plus g pour f puissance n moins 1. Mais mes conseils seront f. Donc ça égale alpha f puissance n plus ça fois ça, bien sûr. Il y a n moins 1 fois alpha f puissance n moins 1 rond f, c'est-à-dire f puissance n plus g rond. Bien sûr, on a ce qu'on a dit parce qu'il y a f puissance n moins 1 rond f. Donc il y a un autre, il y a f puissance n. C'est donc le résultat vrai. Donc il y a f puissance n rond g. Donc il y a algébra moins g rond f puissance n égale tout simplement, donc on factorise par alpha fois f puissance n, donc je prends bien sûr n moins 1 plus 1, c'est-à-dire n. Alors d'après le principe de récurrence, on a bien sûr le résultat. Ok, donc vous le résultat. Bien. Yeah.